Coucou les filles, salam alaikum. Je vais faire ce soir du poulet farci au four. Donc je vais vous montrer la recette en vidéo. Donc je vous la posterai, inchallah, si j'ai le temps, sur YouTube. Donc là, pour faire la béchamel express, donc j'ai mis 40 g de beurre, 40 g de farine. Et là, je vais ajouter 500 g de lait. Donc en fait, l'avantage, c'est que. Donc voilà les filles, donc là j'ai mis 500 g de lait. Je vais mettre du sel. Et du poivre. Et donc là, je vais mettre à chauffer. Donc 7 minutes, 90 degrés, vitesse 4. Donc là les filles, le temps que ma béchamel est en train de cuire, donc je vais prendre des morceaux de poulet. Donc par contre, il faut que c'est vraiment le gros morceau de poulet, il ne faut pas qu'il est coupé en escalope. Et donc là, je suis venue le trancher dans la longueur. Donc je vais venir l'ouvrir en deux comme ça. Et là, je vais venir le farcir. Donc je prends ce que j'ai un peu. Donc là, j'ai du blanc de poulet. J'ai du blanc de poulet mariné à la marocaine. Et à l'algérienne, donc je vais mettre ça, je vais mettre du cheddar et un peu de fromage mozzarella râpé. Donc voilà, donc j'ai mis le blanc de poulet, du cheddar, un peu de mozza râpé. Et là, je vais venir refermer. Et je vais faire le reste, je vais faire la même chose avec le reste. Et après, je vous montre comment je vais le mettre dans le plat. Donc ma béchamel vient de terminer. Hop. C'est chaud, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir napper mes pavés de poulet, si on peut dire ça comme ça. Donc je les ai disposés dans le moule génoise 24 cm. Donc parce que j'ai pas d'autres moules et celui-là, il me paraît bien au niveau de la taille. Et donc je vais venir napper de béchamel. Et je vais mettre du fromage pour que ça gratine et un peu de chapelure. Donc là, j'ai mis un peu de chapelure, donc vraiment juste pour que ça croustille. Et là, je vais venir remettre un peu de fromage râpé pour gratiner les escalopes. Et je vais mettre au four. Donc là, je vais mettre mon four à 180 degrés. Je vais mettre 20 minutes et je surveillerai la cuisson du poulet. Voilà les filles. Donc là les filles, je vais faire la cuisson de mes pennes parce que je vais accompagner mon poulet à la béchamel gratiné avec des pennes. Donc là je vais mettre 1 litre 2 d'eau dans le bol du Thermomix. Donc voilà, donc j'ai mis mon eau et là je vais venir chauffer, mettre à bouillir l'eau directement. Donc je vais mettre 10 minutes 100 degrés vitesse 1. Donc là, j'ai mis 450 g de pennes, mais c'est des petites pennes. Et j'ai mis une pincée de sel. Et donc là, il me dit que je dois cuire 10 minutes sur le paquet. Donc là, c'est tout simple. Donc je vais venir régler la température, le temps qui est indiqué sur le paquet, tout simplement. Donc là, j'ai mis 10 minutes à 100 degrés. Et donc là, je vais mettre vitesse 1, sens inverse, il est déjà programmé. Voilà, donc là le sens inverse, les filles, donc c'est pour pas hacher vos pâtes. Donc là elles sont protégées, donc comme ça ça cuit dans l'eau bouillante directement. Donc là j'ai mon poulet qui est sorti du four, j'ai mis mes pâtes dans le thermoserveur, donc ça permet de garder au chaud. Donc j'ai mis un filet d'huile d'olive et donc là je vais servir mon assiette.